Non, parce qu'il a fait la guerre. Alors, YouTube, bonjour. Bonjour. On est prêt pour attaquer Charles-Henri Judas. Charles-Henri J'ai pas Judas, des bombes ou un truc comme ça. J'ai pas envie d'avoir le avec ma dialogue. trousse d'alcoolique traître, de traître alcoolique. Les positions, qu'est-ce que c'est? Vous lacérez les sens d'un adversaire en tirant sur les fils de la Moi, j'allais femme. te dire, hein, t'appelles l'URSSAF et les Mais pompes sont c'est payées. vachement bien. 192 et ça fait entre 30 et 80 dégâts. Allez, let's go. Oh! Et Ah! paf! Jet de sauvegarde Votre réussi. imbécile, je suis l'élu de Bane, je suis Ah votre bah il s'est tourment. soigné. Putain, C'est quel pas ça, enfoiré. rebelle? Ah bah d'accord, en plus il triche. T'es un traître et un tricheur, franchement. Ah mais c'est le combo. Ouais, c'est du beau, c'est du joli tout ça. Il Hein. manquerait plus Mais... qu'il va atterrir Zemmour et Et dire. là, vrai, tu verras que je vais réussir à le transformer en chèvre. Ce serait tellement parfait. Par contre, dans ma partie avec mon dragon barde, j'avais changé. Ah non, faut pas que je dise ça, c'est un truc d'endgame. Mon dragon barde. Bah, disons qu'il y a un des derniers boss du jeu que j'ai réussi à changer en mouton, j'étais très content de moi. T'as Ah, inventé ce le mec serait de club. drôle. Je transforme le boss final. Alors, le boss final, non, mais c'était un des derniers boss en ce qui me concerne. Deux stars. C'est ça, tu te le traites? Ah, discrétion ratée, dommage, j'aurais pu avoir une attaque en plus sinon. Cette cité est à moi. Je suis le traître originel. Sont tous aveugles. Ils ont raté tous leurs coups. Ah ah ah, je t'ai montré des photos de ma reine Shikatla dans Closer. Non, je suis aveugle. Oh, par contre, ça m'a fait. Oh, tu peux faire tomber le truc sur sa gueule! Oh, ouais. Oh! Ouais, mais comme dans Cusco, ça fait de l'usure, ça marche. C'est ma faute. Et ça aussi! Par Oh contre, non, par contre. même je tire pas J'aimerais qu'on fasse encore! attention, par contre. De quoi? Bah, à cause de l'entre-deux JO, apparemment, ils auraient mis certains. Cette épée est ridicule, regardez ça. En un tour, je lui ai enlevé la moitié de sa vie. Si j'avais su, si ça se trouve le combat sera hyper court, on aurait pu le faire dans l'épisode d'avant. Non, mais j'ai préféré éviter parce que Oui, il vaut mieux être ouais. prudent. Et bien tiens, tu sais quoi? Je vais donner de la vie. Qui a le moins de vie? Ombre-cœur, c'est Ombre-cœur qui a le moins de vie, j'ai Pas de l'impression. soucis. Donc hop, je vais lui donner des petits points de vie. Allez, Loulou, ça, je te Tiens. soigne. Let's Let's go, go. exactement. Allons-y, Vas-y, Karnak, Pépé. ton rêve, alors va lui taper la gueule. Vas-y, Karnak, refais-lui les dents. Vas-y, Karnak, c'est où? C'est dans les niveaux, Vas-y, on a Karnak, réussi, t'es grand quoi? coulon. Ouais, frère. Qu'est-ce qu'elle a du coup? Ah, vous pouvez vous téléporter à chaque tour, ok. Ah, Par Freezer, contre, tu j'ai as tué l'impression. mon ami Krillin. Il est peut-être chauve, mais c'était mon ami. Ça me rappelle la blague, et il y a plein de gens qui n'ont pas compris dans le résumé foireux. Quand t'as. Pardon, t'as Vegeta qui dit écartez-vous les pouilleux, et t'as un Krillin qui fait bah, je suis chauve. Ah oui. Ah, Logique. Mais moi, j'avais pas capté dès le début. Ah, concentration interrompue. Ah, c'est dommage pour toi, ça, mon poteau. Oh, dommage, c'est un concentré de vitamine D. Tant pis. Alors, ça marche le lustre dans la gueule? Bah là, Gortash est pas en dessous, mais en théorie, oui, ça lui aurait fait des dégâts de feu. Ah donc Immunisé contre dégâts de feu. Ah merde! Vraiment? Mais t'es Ah bah pas. oui! Mais Gortash, t'es My vraiment le bad! traître originel. T'es Non, immunisé à tout. non, il est résistant à plein de trucs et il est immunisé au feu. Purée, Ok, mais je retiens. t'as un pur scénarium. C'est pour ça du coup qu'il s'est pris que la moitié des dégâts de la colonne de feu de Ombrecoeur parce que la colonne fait des dégâts de feu et radiant et il s'est pris que des dégâts radiants. Je m'en fous, au prochain tour, les ailes le tuent, Je suis sûr que probablement. Gortash, s'il était dans la Bible, il aurait trahi Judas. Okay. Il aurait trahi Judas avant de trahir Jésus. C'est déception-ception. Déception-ception. Je te trahis ta C'est le trahison. mec, il aurait mangé toutes les pommes, brûlé l'arbre et accusé Adam et Ève.
pire, il se serait déguisé en dieu en disant genre oh, je vous bannis. Et après, il y a du carré qui sont possibles. Ah, bah il a gonflé. Bon, remarque, c'est pas plus mal parce que. Il est en mode de chance pour monter sur l'arche de Noé. Alors, les YouTube, les viewers, je vous rappelle l'effet de la tueuse de géants de Baldurien. Elle augmente ses dégâts si la cible est grosse. Donc, je suis désolé de te dire ça, Gortash, mais tes 150 points de vie temporaires, ils vont partir très vite. C'est con, moi. Hein ah. Désolé, Gortash, tu vas dégonfler comme un gros badine. Ouais, là, tu vois, sur les 150, il y en a 60 qui sont partis et c'est parce que j'ai raté une attaque. Ah, ah. Il y a un ennemi juste là, ok. Vas-y, tape-lui la gueule. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est ces ennemis-là, ils arrêtent pas d'être dans les ténèbres et du coup, ils sont super durs à taper. Les Gortash, en 300, il aurait trahi Agamemnon, Xerxès le Perse. Je suis même sûr qu'il aurait trahi le réalisateur pour film à son nom. Et Agamemnon dans 300. Non, pas Agamemnon, c'est... J'étais en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce sac à merde? Non. Merde, j'ai oublié le nom de Monsieur Sleep, là. This is Sparta, c'est qui? Il s'appelle comment? Léonidas. Merci, Léo. Bah, comme le chocolat. Voilà, c'est ça, comme le chocolat. La postérité. J'en ai aucune idée. Parce que t'avais envie de voir Antigone? Ah merde, putain, c'est... C'est une bonne idée, ça, d'utiliser deux sorts de concentration à la suite. Putain de génie. Mais Gortash, c'était un pays lors de la Seconde Guerre mondiale, vu comment il retourne sa veste, trahit tout le monde, c'est l'Italie. Et encore, c'est méchant pour l'Italie. Voilà, je tue tout le monde sauf Gortash, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Ouais. Imperotil, si tu veux, oui. Allez, paf. Oh coup critique de la hache. Qui a mis un coup dans la nuque dans nos élites pays. J'avais entendu autre chose. En même temps, c'est la hache. Ils ont tué la hache. Oh. Ils ont tué la hache. Ils sont enfoirés. Nous qui parlons, poker. Union. Il y avait un ennemi juste là et il s'est fait tuer par le lance-flamme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une grosse main que Gortash invoque en phase 2. Une main? Ça se voit. Ouh, il a lié, le pauvre. Ils sont beaucoup, les ennemis. Ah ouais, ben du coup, là, ouais. Effectivement. Et il y en a un qui est presque mort. Ouh. Tiens, voilà, il t'appelle planter le bâton. Putain, je te renverse. Bon, donc, on recommence. Je veux mettre les esprits gardiens, là, putain de Taras. Ah, les esprits gardiens, c'est ça. Et puis, je vais faire un petit soin de groupe. Ça va, l'autre qui est mort, là. C'est vrai qu'il y a eu, on l'a bien comme il faut. J'ai un saut, pas le martyr. Ah, immunité aux dégâts de force. Ah ouais, putain, d'accord. Aujourd'hui, les gens, c'est vraiment des misérables vermines. Nous ne prendrions pas cette cité. Tiens, je te tase. Attends, par contre, je vais revérifier parce qu'il a changé d'immunité apparemment. Ah, d'accord. Donc, il a plus de résistance, mais il est immunisé tonnerre, feu et force. Ok. Bon, tonnerre, c'est pas grave, j'en l'utilise pas. Mais feu et force, c'est bon à savoir. Donc, de toute façon, tu vas crever. Si les ailes réussissent ses attaques. Mais non, il va se faire. En te remerciant. Bon, il reste l'espèce de main de merde là. Ah non, il reste un ennemi de couille. Il est où? Régis, il a gagné de la Ah non, mais c'est ça, c'est la main qui est là. Elle est. Mais. Elle est pas censée disparaître, cette main. Si, si, regarde, c'est un sort, tu vois. Il suffisait juste que le sort se termine en fait. Bon, bah du coup, ça a été vite. On a mis combien de temps? Ouais, 9 minutes, on n'aurait pas eu le temps. Mais c'était dur, hein. It's finished. Ah, le truc, it's done. I need to see him up close. I need to know he's dead. Oh. Bon alors, il est où, Seigneur Enver Gortash? Il l'a tué.
So Gortash is nothing more than a pile of flesh. Same as the rest of us. Oh, c'est gentil, moi j'aurais dit que c'était un gros tas de merde. Numéro 2, je m'en fous. Tellement. I feel like I should laugh. But just too goddamn tired. Is that it then? Killed the bastard who ruined my life and now I crawl into a corner and die. Am I fucking missing something? Mais j'ai envie de la réconforter là, ça se voit qu'elle est pas bien. Même regarde mon breaker derrière en mode pauvre bébé. Même elle est en mode. Elle a l'air toute triste, ouais. C'est horrible. J'ai une question pour monsieur le commissaire. Comment se fait-il que les poils trouvés sur la scène du crime sont où, alors que celles des loups du zoo sont gris? Je faisais quoi? Que voulez-vous dire? Il y a deux? Ouais, vas-y, développe ma louloute que je chasse que menteux. It makes no sense. None of it means anything. Bah, on même pense à les problèmes. He's dead. And he's no fucking sorrier now than he was before. What was the point? I'm still dying. I'm dying. I'm going to die. Non. Je suis à votre côté, je le risquerai jusqu'au bout. Je pense que tu meurs, moi. Don't say that. So you found some way to fix me. That now Gortash is dead, I'll get my heart back. My heart. It was mine. And they took it. I'm going to be as dead as Gortash any day now. Any moment. And what then? Off to the City of Judgment to waste into oblivion? Into the dirt to get eaten by maggots? Is that it for me? Is that fucking all? And you, you'll just keep going, won't you? Watching the stars, warming your hands on the campfire, dancing, eating, making fucking love all night, all of it! That's my reward for everything I suffered. That's why I survived 10 years of torment. The fighting, the clawing, the loneliness, the fucking loneliness. All of it so I could rot. Because the person I trusted the most gave me away to the devil. It isn't fair. I don't want it like this. J'ai même pas croisé. Non, parce que là, sur le coup, c'est vraiment pas... D'un côté, elle s'énerve, mais de l'autre côté, bah... Elle a raison, merde. Il lui dévote ça et que ça fait un petit peu cul. Ça fait un peu enfoiré, quoi. Genre, oui, je comprends, je vous dis, t'as un petit fait, allez-y. Genre, ça fait du bien. Et le mec, il comprend pas grand-chose. En plus, c'est la 4, mais il faut se fier aux autres. C'est la pire. Mais qu'est-ce que vous savez, on est tous égaux devant la mort. Tu veux être égaux devant mon poids dans ta gueule? Et puis elle est pas tellement égale vu qu'elle va mourir bientôt. Bah oui. Du coup, entre la 1 et la 3, mais il n'y en a aucune qui me satisfait vraiment.
Ben, comme l'a dit le grand philosophe du 21e siècle, le joueur du grenier, ben, t'as le choix entre la fin gris caca et la fin gris vomi. Et j'ai envie de chialer. Par contre, sur la gris caca, parce qu'elle est peut-être moins pire que la gris vomi. La 1 ou la 3 du coup? Je sais pas, mais les deux, pour moi, c'est... Tu choisis quoi? Une claque sur la main, sur la joue gauche ou une claque sur la joue droite? Ça sert à rien, peu près. C'est pas la même joue, mais ça fait mal quand même. D'un côté, il y a des phrases genre ah, il y a une tente d'aller de l'avant. Bah non, elle va crever, connard. Bon. C'est pas de l'avant. Puis, oh, je peux pas rien faire pour vous, c'est pas en mon pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début du jeu, Kratos? Est-ce que tu as une mémoire sélective? Et derrière, on a l'impression qu'elle va chialer la pauvre Ombre-Cœur. Bah oui. Elle va avoir son maquillage qui va lui couler sur les yeux. Elle va parler. Vas-y, réponse gris caca. Laquelle? Mais je sais pas, pour moi, c'est les deux sont gris caca, gris vomi et. Bon, c'est quoi? Je suis sur la lune, alors va sur la lune. Vas-y. You could try. You got a wish spell in that pack of yours. What the fuck am I supposed to do now? Oh putain, la 4, le manque d'empathie Oh oui, totale. la 4, c'est... Oh, tu peux toujours protéger la cité qui t'a crevé. Oui, et puis tu peux aller Cre te faire foutre aussi. Oui, vas-y, va crever en protégeant le fort. Est-ce que tu veux un supplément pour ça pour ton doigt dans le cul? T'as enfoiré. Ouais, ou alors comme le fameux qui dit « Ah, vous voulez un doigt dans le cul? Ah bah attends, d'accord. » Et puis qui sort l'armure de plaque. Yann. Bah, du coup, ça, c'est à vous de décider, la numéro 2. I ought to just end it all now. Non, ça c'est pas une bonne idée. On my terms. But then who'd save this godforsaken town? Let's get out of here. I've always hated this place. Stupid fucking gigantic bridge or whatever. I think I need to go to camp for a while. Be alone. Scream at the sky. You can come and find me later if you want to. Thanks for listening. For existing. Non. Love you. J'ai envie de faire un gros câlin. On arrive à la pierre. Non, on n'a pas fouillé. Deux objets. C'est les deux pièces dans le coup. Non, il n'y a que celle de Gortash. Gortash, qu'est-ce qu'il dit? Bah, le reste, c'est son stuff en fait. Il y a son oui. armure. Ça se trouve, il peut lui donner les deux pierres d'un coup. On va récupérer les trois pierres infernales. Bah oui, mais c'est réussi. Oui, bah ouais. Il est censé les avoir. Bah non, regarde parce que. Ah oui, tu ne les as pas physiquement. Nous avons obtenu la pierre de Gortash. Tu vois, ils disent pas que j'ai la pierre d'Orin. Ils disent pas que la quête des trois pierres est finie. Non. Having to face her own mortality in such a definitive manner. Though the rest of us is still liable to perish, if it's any consolation. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. D'accord. Karlak's fate may be written, but her story isn't ended. The histories of the greatest Githyanki warriors are recorded in slate. They are unerasable. She must make every battle her bloodiest yet. She must make herself unerasable too. Oui. C'est une façon de voir les choses. J'ai dit ou pas que j'avais pas envie de revoir ça? Oui. Je peux comprendre. Bah, oui, bah, la première fois que je l'ai vu, bah, c'est encore sur YouTube, hein, voilà. Et toutes les autres fois, j'ai skip violemment.
agony of knowing the end is near. I spent years swatting away my fears and doubts of my infernal fate, and I eventually made my peace. I had to. You will too, Karlach. I know it. Until then, I'm here every step of the way. Ah, Miss, qu'il est là-bas. A fine deed we have done to rid Faerun of this man. All helm hair and a haughtiness. Oh, this was the Lord Gortash we were sworn to do battle with, Boo. All the better then. Ouais. Oui, tout à fait. Do not be sad, Boo. Karlach vanquished a villain today. As for the rest of it, well, we will find a way to save her. Will we not? Je l'espère, en tout cas. This is why you have Minsk. He knows that the knowing matters not, only the doing. In the meantime, perhaps we can find a way to bring Lord Gortash back. Perhaps it would lift Karlach's spirits to kill him a second time. Ouais. C'est peut-être pas sûr. Gérard, t'en penses quoi? Karlach needs time. Space. But more than this, I think. She needs to know she is not alone. Que c'est presque la réponse la plus sensée qu'on ait entendue jusque-là. À deux. Lol. C'est tellement bizarre. Et la 4 aussi, elle est tellement bâtarde. Oh, bah, pff, elle est dépressive, j'aimerais qu'elle arrête ça. C'est les gens, je pense que bon, bah, faut la voir quand même. Elle est pas bien. Bah, c'est ça. C'est la numéro 1, toi, qu'il faut mettre. C'est. Answers, justice. 10 years of her life back. All manner of things we cannot give her. She's already lost her heart. She deserves better than to have her friends heap happy lies upon her. Ah ouais, mais la 1, c'est l'empathie. La 2, c'est dire à l'autre que, bon, bah... La gueule, en fait. Oui, concrètement, c'est ça. Là, c'est là sur l'empathie, quoi. Good. Ah, j'ai rien à prouver. Ok, d'accord. Et la 3, c'est ça la morale de l'histoire. C'était une pathétique. Genre, mais lui, pour rien faire, maintenant, c'est pas la About what she said. God. There really is no justice in the world. Voilà, il est mort. De plus en plus empathique, lui. C'est ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu sais que c'est la merde quand même Astarion éprouve de la compassion. Depuis la dernière fois, il n'arrête pas d'être sympa. C'est quoi ce mec? Karlach has had her mortality defined. Parce qu'on a pris son armure pour la mettre à quelqu'un d'autre. Il est insupportable. Lol. Perhaps we can at least be there for... D'ailleurs, j'avais fait un discours à ça avec. Avec mon chouchou de Turquie qui vous passe le bonjour, évidemment. Oui. Je lui disais, parce que quand t'as le dialogue de. Où t'es en mode le prenez pas mal, mais vous êtes plutôt large pour un elfe. Et que du coup, il dit oui, c'est vrai que c'est une question que les gens me posent souvent. Et il dit, quand on lui demande pourquoi vous croyez que c'est, il dit un truc du genre, peut-être que j'ai genre un demi-orc quelque part dans ma famille, ou peut-être que les gens sont pas forcément comme les gens le disent, quoi. Mais, d'un autre côté, je pense que l'hypothèse de la famille ancienne est plus probable pour la simple et bonne raison que les elfes n'ont pas de pilosité. Ah. Donc si c'était un pur elfe, il aurait pas de poils. Je sais pas, dans l'univers de... Si c'est vrai dans l'univers de Donjons & Dragons. Bah, en tout cas, dans ce que j'ai vu du jeu, aucun elfe pur, en tout cas, n'a de pilosité. No sense dawdling. Karlach has precious little time left to her. We do better than to waste it. Ok, plus ça va, plus j'ai envie de te coller un point dans la gueule. Ah, il y a Alcine qui s'est rassis.
slightly elaborate. Ah bah, merde, je crois qu'il y a, eu un bug de... Oui, je crois qu'il y a un dialogue qu'on a loupé là, parce que, tu vois, je voulais me barrer, mais... est-ce que tu voudrais changer d'équipe pour la prochaine... Ah bah non, faut qu'on parle à Kalak déjà. Oui. Mais est-ce que après ça, tu voudrais changer d'équipe pour la quête de Lesel? Bah, on peut, ouais. Hey, soldier. You're back. J'espère que t'arrêtes de faire ton introspection de merde. Je me fais des soucis. Tu vas bien, ma grande? Yeah. Despite my best efforts, I kept trying to flop over and give up, but Karlach just won't let me. Did I miss anything important? Oh, bah vous savez, la routine. Dis-moi plutôt où tu en es, ma grande. Would you believe it if I said I'm all right? You know, soldier, we're so fucked. The Dark Three are trying to consume the Sword Coast. We've still got tadpoles in our eyes, and I've got a ticking time bomb in my chest. I'm not sure anyone has ever been more fucked than this. And yet, we're fine. In this moment, we're fine. Here I am, there you are, breathing, talking, even laughing if we want. Is it very precious to say that, despite it all, I'm happy? C'est vrai que la carte... Parce que d'un côté, on peut dire qu'elle peut survivre, mais de l'autre côté, elle n'a pas envie d'y retourner. Ouais. Parce que ça me rassure, je peux pas en dire autant, on s'en fout. Ouais, c'est lourd. Le 2, le jeu n'est pas le naze. Vraiment ridicule, c'est le mot. Lui, c'est sûr, c'est non. Imagine, tu fais le gameplay gros con où à chaque fois les trucs sarcastiques et pragmatiques tu les dis et du coup tout le monde va te détester presque. Oh, purée. Sauf Astarion. Non, Astarion, non, tu peux faire ça pour tout le monde. Sauf Astarion où tu sais d'être vraiment gentil et jouer avec lui et qu'il aime pas ça. C'est ça. Le mec qui va être détesté par tous. C'est ça, concrètement. Oh, ouais. Tu me fais rire en même temps, je suis en train de chialer. Oh, tout de suite. Bah du coup ouais, alors. Choupi, t'as envie de faire un gros câlin pour être la récompensée. Entre moi ça va pas bien, merci. Entre l'option un peu mielleuse, un peu enrobée, l'option connard non. Ou l'option pas très adaptée. Je sais pas, c'est pas très adapté en même temps, c'est un peu maladroit, mais c'est pas forcément faux. Et juste avant, t'as Jaira qui a dit oui, mais elle est peut-être pas au point où il faut que tu lui mentes en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Donc je sais pas, comme tu préfères. Ouais, à mon avis, on va peut-être plutôt y aller directement dans le vif. Peut-être en retournant la Vernus. Je sais que t'aimes pas ça, mais. I can't. I'd rather die here in Faerun, my home, than live in service to a devil. Eh, vous pensez à moi? Je pense à moi, ma petite personne, quand même. Je suis le chef, après tout. Mais... Tu fais trois fois sa taille en moins. C'est pas faux. Trois fois sa taille en moins, ça veut rien dire, cette femme. Non, ça veut rien dire, effectivement. Non, cette meuf, elle lève le genou, elle pète le nez. Oui. Enfin, est-ce que quelqu'un va penser à moi à part moi? Non, parce que t'es une tête de con, pas lui, ça arrive. Ah, puis parce que en plus, t'as deux, désolé, je vois pas d'autre solution, je vais juste te tuer. Bah non. Bah, ce serait pas définitif, seulement le temps pour nous de trouver un moyen de réparer votre engin. Believe me, I have. But it would take Zariel all of a minute to suss me out and force me back into the blood war. I can't do it anymore.
I'd wish for death every day. Let me go out surrounded by things I love, not things I hate. Speaking of which, there's something I wanted to ask you. Est-ce que vous voulez faire un plan en trois? Will you stay with me when it's time for me to go? I think I can do anything if you're there. Un plan en trois avec mon cœur. Even non. Die. Avec son cadavre. Quel horreur. Si elle le propose, ça se rend. D'ailleurs, je vous avais parlé de Alcine et la polygamie. Ouais. Donc, je savais déjà que Asarion disait oui. Je savais que Gail et Will disaient non. Et après, du coup, j'ai regardé. Laisel dit non. Ombrecoeur dit non. Ombrecoeur dit oui, pardon. Oui. Et je crois que Carlac, elle est pas trop pour, mais tu peux la convaincre. Ah, on peut la convaincre. Ouais. Je croyais qu'elle était foncièrement contre. Non, j'ai lu ça il y a pas longtemps. D'accord. Et Ombrecoeur en mode. Ah, si. De toute façon, depuis l'acte 1, on sait, Ombrecoeur, c'est une coquine. Ah, ah oui, voir mon nain se faire tabasser, oui, j'aime bien. Alcine, avec ses grosses griffes d'ours et ses énormes crocs. Oui, donc du coup, là, tu dirais quoi? Ça doit faire mal à l'ombre. Donc en gros, elle dit que pour le moment, c'est pas possible. Je vais vous sauver. Le truc, c'est que d'un côté, je peux lui dire oui, je serai là pour te soutenir, mais de l'autre côté, je dois aussi soutenir mon broker. Je peux pas me diviser en deux. Non, mais c'est même pas une question de je veux être en couple avec toi. C'est que elle va crever. Elle te dit, est-ce que tu veux être là pour mes derniers instants? On est amis, je peux tout faire avec vous. Est-ce que vous voulez être là quand je serai prête à partir, quoi? Et tu peux lui dire oui, tu peux lui dire non parce que c'est trop dur pour moi, ou tu peux lui dire non, on va vous sauver. Donc de toute façon, vous n'allez pas crever. Bah, entre la 1 et la 3, j'hésite. C'est vrai que la 2, ça fait encore vachement égoïste. Déjà, pas la 2. Non, c'est au-dessus de mes forces. Bah, ça, je dirais que c'est la plus compréhensible des options de connard qu'on a vues depuis le début. Oui. Parce que concrètement, si tu sais que t'as genre un ami très proche qui va crever, t'as peut-être pas forcément envie de voir ça non plus. Ouais. Donc en gros, qu'est-ce que tu veux lui dire? Oui, je serai là quand vous allez mourir, ou non, j'ai envie de vous sauver et c'est le plus important. Bah, réfléchissez pas à crever avant qu'on vous ait sauvé. Bah, le truc, c'est que je lui ai dit à chaque fois qu'on essayait de la sauver, donc je peux repartir sur cette ligne-là. Donc tu veux essayer aller pour la 3? Ouais. Alright. But if we don't... I hope I can count on you. Voilà, donc tu vois, c'est ça. Donc elle sait que tu n'arriveras peut-être pas à la sauver, et si tu peux pas la sauver, elle veut que tu sois là. Enough tragedy, I'm not gone yet, and our schedule is packed with important heroics, isn't it? Plus, if I cry anymore, I'm gonna run out of tears and start leaking motor oil. Thanks for everything, soldier. I'm extremely glad to be in this thing together. Secours! Bon, pardon. Jeanne? Pourquoi j'ai envie de pleurer? Ben, parce que. Parce que l'actrice a mis tout son cœur dans le perso, et ça se voit. Parce que ce jeu, c'est comme McDonald's, il y a beaucoup de sel. Alors, qui tu veux prendre comme troisième membre dans l'équipe? Donald, non seulement il y a beaucoup de sel et ça te fait mal au cœur. Ah, c'est drôle ça, dis donc. C'est la nouvelle version, c'est ma cul. Parce que là, en gros, Ombrecoeur a quitté jamais l'équipe de toute manière. Je pense, en gros, pour Laisel, on n'est pas obligé de l'avoir dans l'équipe. Parce que c'est un truc pour elle, mais elle n'a pas besoin forcément d'être là. D'accord. Donc, à toi de voir si tu veux la jarter, si tu veux prendre quelqu'un d'autre, enfin, comme tu veux. Après, ça fait un moment qu'on n'a pas eu Laisel, la pauvre. Ouais, donc on peut la garder. Qui tu veux qui comme troisième membre? Qui pourrait accompagner une guerre. Gail ou Will, Will ou Alcine ou Minsk ou Jaira. Quoique Minsk et Jaira, on les avait eu il n'y a pas longtemps, je crois. Bah, Minsk, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Jaira, elle bouge pas. Ah oui, c'est vrai que Jaira, elle bouge pas. T'es puni. Pourquoi t'es puni? Bah, je sais pas, on sait parce pas. Que je sais pas, elle s'est dit non. Genre, en gros, on l'avait dans le groupe, tout le monde bougeait sauf elle. Bah, après, on a eu récemment aussi pour affronter l'autre. Comment il s'appelle? Le magicien. Comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Ah, le magicien, celui qui voulait retrouver. Non, mais merde. J'ai perdu le nom.
On prend Will, pas l'autre. On prend Will, pas Gale, ok. Voilà, Gale, merci, j'avais perdu son nom. Même si en vrai, on va débarquer paladin, donc on peut le prendre. Merde. Vous voulez dire quelque chose? Non. Mais vous voulez dire quelque chose? Let's talk. Tu verras qu'il va sortir la Gatling comme le perso de l'IDG. Ah, il faut le level up aussi. Attends, par contre, il y a un build que... Ah mais non, mais il est barde, lui. Il est barde paladin. Merde. Parce que du coup, il y avait un build que j'avais bien envie d'essayer. Ça te gêne si on le fait là maintenant? Bah, c'est vrai que barde paladin, on a essayé, c'était un peu de la merde. Bah, perso, j'aime pas du tout les paladins. Mais là, il y a un build que j'avais envie d'essayer, du coup. Ferme ta gueule. Alors, je voudrais changer de classe. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dernièrement, là, comme j'ai dit, je préparais ma prochaine partie. Et en fait, je voulais avoir 12 compagnons, donc 3 groupes de 4 avec des rôles différents. Et je cherchais une arme. Et en fait, il y a une arme en particulier, je sais, de late game aussi, qui marche bien avec les occultistes. Et le truc, c'est que du coup, j'ai envie de tester un occultiste avec le pack de la lame, juste pour ça. Bah vas-y. Et du coup, ce serait logique de le mettre en duo, justement, avec un paladin. Du coup, donc, je voulais faire un occultiste paladin. D'accord. Parce que c'est vrai qu'en plus, on avait aussi essayé Bard, et c'était pas convaincant non plus. Bah, les Bards sont très bons, en fait. Le problème, c'est vraiment juste que j'aime pas les paladins. Ouais, mais même en une part paladin, t'as vu qu'il était pointé avec terrible. Donc, c'est, là, c'est pas celui-là qu'il faut. Là, on s'en bat les couilles. Attends, rappel mortel. Qui est critique mortel. Jet de sauvegarde pour ne pas être. Ah, bah, ça, c'est pas mal, ça. Allez hop, let's go. Je prends les mêmes techniques qu'avant, on s'en fout. L'armure d'agadéisme. Du coup, attends, pour être. Attends, les armes jetées, ça scale sur la dextérité. Ah, mais non, mais on s'en fout. Vu que justement, tout le principe du truc, c'est qu'en fait, l'arme de pacte de l'occultiste scale sur le charisme. Donc en gros, que j'ai de la force ou pas, on s'en fout, vu que de toute façon, toutes ces attaques à l'arme vont être avec du charisme. Ouais. Mais je vais quand même, intelligence, on n'en a pas besoin, je vais quand même mettre un peu de dextérité, parce que la dextérité, c'est bien, parce que ça donne la classe d'armure. Arcane, investigation, nature, religion... Bon, ça, on n'en a pas besoin, vu que c'est pas le perso principal. Nature, c'est pas mal, parce que ça permet, je crois, de trouver les coffres. Non, les coffres, c'est nature ou c'est perception? Je sais plus, c'est l'un des deux, mais on s'en fout. Alors ne respirez pas. Alors, un sort, bon, bah, pareil, les sorts, on va pas tellement les utiliser, donc on peut prendre n'importe quoi, on s'en fout. Maléfice et un sort de concentration, non merci, j'en ai assez comme ça avec les paladins. Décharge répulsive, je prends toute la vie. Et l'autre truc, je vais prendre. Armure. Bon, tu sais quoi, je vais prendre décharge. Je pense que c'est le sort. En fait, le mème des occultistes, c'est vraiment le truc du. Décharge occulte, boum boum. En gros, c'est le seul sort qu'ils font en fait. Oui. Donc là, on a un petit sort de niveau 2, on va prendre. La nuée de dague, tiens, allez hop. Et donc là, il faut prendre pack de la lame. Comme ça, en fait, le pack de la lame, ça fait on peut invoquer une arme. Et justement, c'est l'arme en question qui scale sur le truc d'incantation. Donc, c'est le. Ici, dans le cas de l'occultiste, c'est le charisme. Ouais. Et en fait, après, il y a tout un build pour faire en sorte que tu puisses jeter l'arme. Et c'est à quel niveau déjà qu'on améliore l'arme de pacte? Je ne sais plus. Comme j'ai dit, les sorts, on s'en fout en fait, parce que concrètement, c'est pas ce qu'on va utiliser. Donc là, il faut prendre la bagarre de taverne. Parce que comme ça, les armes, quand vous lancez quelque chose, ça fait un bonus. On améliore la dextérité. C'est la constitution qui t'a augmenté. Oh, constitution, c'est bien aussi. Parce que voilà. On va pas te renforcer, donc là, tu vois, ça va me faire donc. Avec le pack de la lame, vous gagnez une attaque supplémentaire avec l'arme. Ça, c'est pas mal. Après, les sorts de niveau 3, on va prendre la fin d'Adar parce que c'est un sort de crade et qu'on en a besoin. Maître des ombres, qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Parce qu'il dit on apprend le maître des ombres, mais on sait pas du tout. Ouais, bon. Vous infoctez le charme à vous tend, vous gagnez un peu de son prix de persuasion. Pareil, on s'en bat les couilles. Ah, lenteur, c'est pas mal. Let's go. Ok, donc, et là, le reste, on va le mettre en. Bah, peut-être pas en paladin, en fait.
Parce que pour ce qui est du lancer de l'arme, on peut avoir des bonus en étant un berserker, par contre. Donc, du coup... Ah, on ne peut pas multiclasse parce qu'on est en facile. Ça aurait été tellement plus pratique de commencer la partie plus tard et de faire ça en, en custom, mais bon. Je comprends pas pourquoi on peut pas multiclasser en facile, d'ailleurs. En protection anthropique, bah, qu'est-ce que c'est? Ça parce que peut-être qu'ils ont peur que ce soit trop facile ensuite. Attends, notre gré de réaction, vous pouvez imposer un désavantage sur un jet d'attaque vous prenant pour cible. Si l'attaque vous rate, vous bénéficiez d'un avantage. Oh putain, c'est pas mal ça. Bon, les niveaux, ça va faire 6 niveaux de chaque, ce sera pas mal. Malédiction, contre-sort. Notifique, notifique. Mais tu sais quoi, je vais prendre le contre-sort parce que c'est rigolo. C'est rigolo d'empêcher les gens de jouer. Et du coup, le reste, on va le prendre du coup en barbare. Comme ça, avec le berserker, on pourra faire un lancer en plus. Il faudra qu'on change son équipement aussi, comme il a changé de classe. Ouais. Ah ouais. Il va avoir un peu l'air d'une projection avec Fanny. C'est ça, ça fait que tu peux faire une attaque en plus en tant qu'attaque bonus. Là, ce qu'on va faire... Alors, cogneur lourd... Attends. Parce que je crois que tu peux choisir quelle arme tu invoques avec ton pacte. Du coup, on peut faire... Par exemple, si on met, mettons, une lance, on peut prendre le truc maître d'ast. Quand vous attaquez avec une coutille, une hallebarde, un bâton ou une lance, vous pouvez utiliser une action bonus pour attaquer avec la hampe. Et vous pouvez également faire une attaque d'opportunité quand votre cible arrive à portée. Donc ça peut être pas mal. Ouais. Expert du combat avec supériorité, on s'en bat les couilles. Tueur de mage, chanceux. Protection. Cogneur lourd, bof. Une attaque de corps à corps inflige un truc critique. Vous pouvez utiliser une attaque en plus. En fait, ça peut être pas mal, ça. Et lorsque vous avez... Vous maîtrisez la... Ouais, c'est moins bon, ça, j'ai l'impression. Duelise défensif, lorsque vous intervenez, ok. Expert de la charge, qu'est-ce que c'est? Regardez, par contre, parce que comme je... Il y en a un, en plus, c'est les autres. Ouais, donc du coup, je vais... C'est quoi, tu vas rentrer comme d'habitude? Bah, tu veux que je regarde les horaires, là, vite fait? Pendant qu'on fait le level up, on peut... Ouais. Non, t'inquiète, je vais regarder ça. Ça va tomber par terre. Moi, Qu'est-ce qui est tombé? Non, j'ai failli me péter la gueule. Ah, ok. Par terre. Donc, ouais. Par niveau 5, attaque supplémentaire, déplacement rapide. Comme ça, avec l'arme de pacte et le berserker, il peut attaquer 3 fois par tour. Mm-hmm. Rage aveugle et charge de rage supplémentaire. Ouais. Ah bah là pareil, les bus, ça a l'air d'être, les trains, ça a l'air d'être pareil en fait aujourd'hui. Attends, mon téléphone s'éteint, je vais aller le brancher vite fait après. Ça va être peut-être la pire pour la semaine prochaine. Ça reprend quand déjà le truc de vieux? Paralympique, c'est vendredi prochain, je crois. Non, non. Alors qu'ils auraient été les faire en même temps que les Olympiques. Hein, oui, ça aurait été mieux. Et ça leur permet de laisser l'air les plus chers pendant plus longtemps. Enfin, c'est bon, ils font ça, ouais, mais c'est les Paralympiques, vous voyez. Super, bravo, vous avez gagné un point chevalier blanc, merci, allez, dégage. Ah oui, et puis écoutez, heureux de plus maintenant. Voilà, on lui donne la tenue de Gortash, c'est tout ce qu'il mérite. Avec. Par contre, ah oui, du coup, il n'a pas besoin d'armes. Vous voyez cet emplacement pour le badge? C'est le badge du chevalier blanc. Attends, par contre, on va lui donner. Il a besoin d'un arc ou pas? Bah non, je suis con. Le badge d'élection avec qui fait chevalier blanc. C'est le chevalier blanc. C'est les badges de scout là. Oui. Comme dans la haut. Alors, elle peut prendre l'arbalète de Gortash, parce que voilà. Il n'y a pas de tigre en Amazonie. Et Carlac, elle va prendre... Bah, peut-être pas, on verra. C'est bon, on verra. Non, c'était une arbalète. C'est une arbalète, pas un fusil.
Je crois que les fusils n'existent pas dans ce jeu. Il y a peut-être des vieux trucs. Non, par contre, il y a des mods où les gens ils ont vraiment fait des flingues. Omar. Que je crois pas que ce soit inconnu dans l'univers des Donjons et Dragons, mais c'est pas cool. Si c'est un mode où tu te dis non, moi je veux des guns, pourquoi pas? Non, ce serait pas des guns. Si c'est le mode dégueulasse qui disent ah bah non, en fait, les couples, c'est que des hétéros, tu peux pas être en couple, femme-femme, homme-femme. Il y a vraiment des gens qui ont fait ça. Non, moi quand je parlais de flingue, c'était plutôt le machin où tu fais oui, le tremblant, je sais ce que c'est, merci. Et où ça te prend 3 ans pour tirer une balle. Et qu'après, une fois que tu as tiré, il faut recommencer. Ou alors les vieux barriguets des années 1590. Les barriguets de mousquetaires, quoi. Qui avaient une chance sur 10 de te péter au doigt aussi. Bon, comme toutes les armes de l'époque, et tu sais, ça arrive encore aujourd'hui. Hein, mais ça... Moi, c'est un peu mieux contrôlé, mais oui, à l'époque, j'ai un pistolet. Et tu te fais une huile coyote. Tu sais, il y en a plein qui faisaient ça pour les duels, ils trafiquaient le fusil de l'autre, et puis ça explosait dans leurs mains. Ah, pas de tout, hein. Oh, c'est dommage, non seulement t'as perdu ton duel, mais t'as perdu ta main. Et ta femme. Et ton fils, et tes terres, et ton cheval, et ton auberge, et ton honneur. Et ta virginité anale. Hein. Ouais. Ah, il y a les gnomes pour voler ton slip. Et les francs compliqués de la sous-sette gauche. Et ta virginité anale. Eh bah, tu vois, regarde, là, le cerveau fait comme s'il n'y avait plus de il y avait plus de pierre. Ouais, donc à mon avis, en fait, c'est un bug du jeu. Oui, oui, bah, c'est ce qu'ils ont dit aussi sur le forum, hein, rappelle-toi. Oui, je m'en rappelle. On s'en bat les couilles. Alors, ouais, du coup... Regardez-moi, je suis léger comme un papy. Oula, il y a des fleurs. C'est quoi cette merde? Bah, ça, c'est ce qui arrive en général quand t'as les trois pierres. Bah, écoute, dans ce cas, on doit avoir les trois pierres, mais... Écoute, bug du jeu en ma faveur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Purée, en plus, ils ont le sang bleu, mais leur mère, je suis sûr que c'est des limules. D'ailleurs, elle est bien, la boxe. J'ai pas encore regardé. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les limules, c'est d'immondes petites crapes préhistoriques avec du sang bleu. Marteau de guerre, trident, rapière... Les anglais l'appellent semelle de cheval, horseshoes, parce que ça ressemble à un sabot de cheval. Et on va faire une petite frénésie. Alors, j'ai eu un pet de cerveau, à un moment, je me suis dit, mais attends... Elle a changé de voix, Carlac. Oui. Non, mais normalement, c'est le Carlac qui fait... Ah, bah oui, c'est ça. Mais mon Dieu, Carlac est devenu Hellboy. C'est ça. C'est vrai qu'il a un côté Hellboy. Bah, concrètement, oui, il a carrément. Elle a même les dents cassées, bon. Non, Hellboy, il a pas les dents cassées, il sera assez fort. Hein? Ouais, mais quand ça pousse, il en a souvent une. Mm-hmm. Enfin, il y a les deux, quand c'est vraiment. Il y a eu des moments où il y en avait plus. Et Hellboy adore les chats. Miaou. Hellboy il aime caresser les chats là, ou Alf il aime les manger, c'est pas pareil. Oh, ok. C'est là où on se dit, il y en a un, c'est un autre, et l'autre, c'est pas mal. Oui, drôle, merci ça. Quasimodo et Juge Claude Frollo. Oui, tout à fait. Attends, par contre, pourquoi je peux pas lancer le fucking trident? Tu parles à des animaux sous des monts. Il est flash. Attends, par contre, pourquoi je peux pas lancer le fucking trident? Ah, parce que peut-être que pour eux, les tridents, ça compte pas. Ils ont dit, non, c'est des lances, c'est vous, vous avez un trident. Non, mais les tridents, c'est censé être une... C'est... Oui, c'est un peu bah, c'est quoi, je te lance ma rapière, connard. Ok. D'accord. C'était quoi ça? Par le pouvoir du maître kebabier. Sérieux? Oui, parce que la projection enragée, ça a le potentiel de mettre les ennemis à terre. Ah oui, d'accord. Oh, Will qui nous a fait une princesse. Ah ouais, là. Et là. Ah. Il s'est dit, allez hop. Le primaire, il va finir en takoyaki. Oh, ah.
Prince Eric, oui, c'est bien lui. Non, non, ça c'est Prince Ali, Prince Eric, c'est l'autre. Ah, si. C'est celui qui est un peu trop... Ouais, donc en gros, si j'ai bien compris, ma... si j'ai bien compris, mon île vide, elle est à la poubelle, quoi. On dirait bien, oui. Attends, par contre, pourquoi je tiens la rapière, là, what the fuck? Le contrôle de la rapière. Ce jeu m'a perdu la raison. Ah, c'est bon, je l'ai lâché. Voilà. Il est mort comme il a vécu, dans sa propre fils. Il n'y en a plus qu'un ? Non, sérieusement ? Putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, je peux pas le toucher. Il est bon, il est bon, il est bon. Mais où tu vas, trou du cul? Je m'enfuis. Je me tire, tu sais pas pourquoi je suis parti sans mentir. C'est vrai. Non, il avait soif, il avait des enfants. Non, mais c'est quoi cette merde? Pourquoi je veux pas lancer cette foutue. Pourquoi t'as encore le truc de barre dans le dos? Bah, parce que je l'ai jamais déséquipé, donc bon. Oui, c'est peut-être pour ça aussi. Non, mais ça a aucun rapport, ça. Non, par contre, pourquoi l'incantation est bloquée? Ah mais c'est parce que je suis enragé, je peux plus lancer de sort. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Mais non, parce que je peux encore lancer des trucs. Mais c'est juste que je peux pas lancer ma fucking arme que je tiens là maintenant. Je sais pas, tu peux lui balancer tes chaussures à la gueule. Hé, tu déconnes, mais hé. Tu déconnes, mais je crois que dans l'équipement que j'ai vu, il y a littéralement des chaussures, les faits. Oh, t'as fait une charge bouche. Les chaussures, les faits, c'est que elles peuvent stun les ennemis, elles peuvent faire des trucs. Mais oui. Ah, le pied d'Anti-W Bush. Le mec qui lance ses chaussures. Tu veux que j'ai un pot à la gueule? Faudra les récupérer à la fin. Putain, mais c'est quoi cette merde? Ah ouais, mais fais chier, quoi. Ok, tu as pensé les chaussures et stack. Attends, du coup, la rapière, elle est où? Elle est là. Oh, ils ont refait de la peinture. Elle est chouette, la musique. Oui, c'est vrai que... Pourquoi je peux pas ramasser la fucking rapière? Pourquoi tous les gars qui t'ont aidé, ils sont morts? Ah, elle est là. Ah, déplacer? Pourquoi je peux que la déplacer, what the fuck? Déplace-la déjà, ouais. Peut-être que c'est important. Peut-être pas dans le sens, pourquoi pas, j'ai pas l'air de l'air. Ah ouais, mais laisse tomber, c'est la journée là, bordel de merde. Ah, c'est bizarre, toi, mais c'est un peu... Bon, je comptais plus m'en servir, mais c'est chiant, quoi, merde. Rapière infernale, tu vois, elle est là. Je préfère, ouais. Et là, tu peux la récupérer. Oui, je l'ai récupéré, c'est bon. C'était quoi? Elle était dans le corps ou dans le sens? Ça ne permettait pas de la récupérer. Attends, par contre, c'est quoi cette merde? Hache d'arme, coutille... Ouais, le trident, ça devrait marcher, en fait. Attends, je vais essayer... Le marteau de guerre, je crois que c'est trop gros. C'est ça, en fait, je pense... Oui, il y a toujours la coutille. Bah oui, mais la coutille, c'est pas une arme lancée, alors que le trident, ça devrait marcher. Peut-être que ce trident est trop lourd, un truc comme ça, non? Non mais le trident, c'est littéralement une des armes qui est faite pour être lancée avec les hachettes. Il y a les hachettes, les tridents, les lances et les piques. C'est littéralement les armes où il y a marqué lancer dessus, c'est fait pour. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais, je sais pas. C'est un autre jeu. Putain de merde. Il a son arme, il peut balancer sa... Mais est-ce qu'il peut balancer sa lyre à la gueule des ennemis? Bah oui, je crois que ça doit être une option. Ça casse pas si fait. Ah, mais il faut la conserver du coup, comme ça il peut balancer. Ah, c'est bon, attends, on peut lancer des dagues aussi éventuellement. Ça fait bouger. Les couteaux, ça va marcher aussi. De l'Oramarus, allez hop, win. Je crois que tu peux lancer une cimetière. Bah, en théorie, tu peux tout lancer. La preuve, j'ai même lancé des sacs et des bottes. C'est bon ou quoi, merde? Une lance de hache, à deux mains.
un truc dégueu. Mais moi, je veux tellement qu'il lance son instrument de musique au vide. Il lance son chapeau. Ça fait rien. Ah ouais, mais putain, je me suis... Mais ça, c'est dommage que les bardes ne puissent pas attaquer avec leurs instruments. Mais oui, là, bah, comme dans le film Donjons et Dragons, d'ailleurs, le mec, il tapassait les gens à coups de lutte. C'est vrai. Mais ça, putain, je sais même plus où j'allais, du coup. Ah oui, si, bon, je me souviens, on va là-bas. T'as encore la dernière quête à faire avant le boss, tu fais la quête. Oui, c'est ça, on va aller faire la quête de Laezel, ouais, on va... Il y a pas l'autre, Méphistophélès, elle a été tuée aussi. C'est là qu'on va. Ok, on va tuer Méphistophélès. Bah, c'est Raphaël, mais tu déconnes, voilà, mais je Raphaël. Crois que c'est censé être le fils de Méphistophélès, je crois, hein. Je sais que c'est le fils d'un seigneur démon, mais je sais plus lequel. Ah, salut Damon. Le plus quand je te parlais, c'est... Sur quel mur. Le gros bâtard, il s'appelle Raphaël aussi. Il y a un gros bâtard qui s'appelle Raphaël, oui, effectivement. Non, sur le Calibur, on est d'accord. Oui. Voilà, bah, c'est ça dont je te parlais la dernière fois. Je ne retrouvais plus le nom du jeu et bah... Voilà. Sur le Calibur. Si son père, c'est Mephisto, est-ce que il va devenir cordonnier? Ah bah c'est drôle ça aussi. T'as vu ? D'un côté je l'aurais pas compris si le père n'en a vu pas. C'est un truc très spécifique. Oui. Mais oui. Prochain épisode. Alors bataille pas sûre, mais en tout cas on va y aller. Bonjour Elsie. Not all fiends are cut from the same scorched cloth. Ah oui, oui, et oui, qu'il n'y a plus de sous-titres. On ne sait pas pourquoi. Ce film sera nettement mieux avec des sous-titres, comme le dit Obélix. The number of horns, the exact timbre of their evil laugh. Could be most anything. Their willingness to torment their travel partners with wisecracks, for example. Il a plus de sous-titres là. Ah oui, non mais je crois que là le jeu il est en train de mourir. Bref, alors Elsie, qu'on te parle au prochain épisode. Ouais. Salut. Bye. Salut. Tu crois que c'est la pire qui se la merde? Oh.